c'est pas juste un guerrier, c'est son frère en fait. J'ose faire un live en solo, on va essayer de faire maximum d'XP pour essayer de d'améliorer le Zénith. Donc on a actuellement 41 000 XP sur 50 000, c'est tout bien. On est aussi, on est bien niveau palier, on est... Palier 50 environ. Donc c'est ça, on va essayer de faire un max de d'XP. Aussi n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager la vidéo si ça vous chante. Parfait. Donc let's go. Hop. On va aller. On va se faire une bonne nuit. On va aller. On va rusher, on va aller. Oh, on va aller salty. On va la salty. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien prometteur. On peut faire de l'XP donc. Des kills et il faut survivre. Ça, ça serait bien de survivre. Alright, c'est bon. Salty. On va attendre un peu. On remercie le chauffeur. Parfait, parfait. Ouais, comme je vous disais, c'est pas je suis les guerriers en personne. C'est mon chauffeur. Je fais un live à sa place parce qu'il peut pas faire de live pour l'instant. Puis ça faisait longtemps que j'en ai pas fait aussi. C'est bon. Ok, c'est bon. Ça va sortir. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on a fait. Ben en fait, j'ai. Oh, je me rendrai pas. Je suis allé ici finalement parce que je me rendrai pas. Ouais, j'ai fait le top 1 hier. Donc j'ai débloqué le parapluie. Puis c'est vraiment un bon top 1. J'ai pas beaucoup de kills, mais j'ai failli mourir par exemple. C'est vraiment bien. On va rester ici, puis on va aller rusher, on va aller rusher sur deep pour avoir des kills. Oh, double secou. Nice. Nice, on va aller rusher, on va aller rusher deep. Pour ceux qui l'avaient remarqué, j'ai mis un skin tryhard. Parce que je le trouve beau, mais... Aussi parce que... skin en tant que tel artificiel, je le trouve vraiment bon. J'ai essayé de le mettre, puis en plus j'ai réussi à me créer un petit skin tryhard. Ouais, c'est ça. Donc on va aller rechanter en espérant qu'il y ait du monde. Je ne suis pas en spécialité construction, donc pas besoin de marquer dans les commentaires ah grosse merde pourrie, pas spécialité construction. Mais... excuse-moi. On va attendre ici parce qu'il y a un gars en dessous de moi présentement et un gars au-dessus de moi. Bah c'est pas, pas une bonne position mais... Je vais attendre ici. Hop. Nice, on se met bien. On va recharger toutes ces armes, toutes nos armes.
online. C'est cool. On n'a pris aucun dégât, ça c'est bien. Hop. Disons que je suis assez fier de moi. Les rushs, je sais pas exactement le niveau, j'ai juste vu qu'un armée. Oh, on a pas fait la formelle la queue. On a la confirmation formelle la queue. Il y a vraiment un gars devant nous donc. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout. On est un peu à Palace. On va s'enfuir. Comment dire, on est un peu en PLS. On n'a pas beaucoup de maths. 0 de l'équipe. Ça n'entend pas de retourner là. Je ne sais pas où aller. Venu mais je sais pas trop. You. Il faut bien recharger nos armes. Surtout que quand je fais la vidéo, je fais qu'on peut voir vos commentaires, sauf que en faisant cela, ben genre j'ai moins d'écran, je peux moins voir en fait. Donc si je peux moins voir ce que vous marquez, mais je peux en fait pas si je peux voir ce que vous marquez, mais je peux pas voir. Je vois moins dans mon écran, je vois moins parce que ça raccourcit l'écran pour enfin laisser place aux commentaires. Donc, c'est ça. On n'est pas super bien, on n'a pas beaucoup de maths. On va essayer de se piocher un peu de maths quand même. On va monter ici. Regardez comme ça.
aussi la strat du soin. Parce que on est pas très très bien au soin. On va aller en zone aussi parce que ça peut qu'on va pas dans zone. Pas de soin là. Est-ce qu'on va aller en avion? Hop. Allez, hop. À droite et bien, ouais, je sais, j'ai beaucoup de choix pour j'aille ensemble. Je peux pas aller l'attaquer pour j'aille ensemble, parce que sachant que j'ai 4 max PV, je peux pas aller. Je peux pas commencer à rush. Ici, les amis, c'est Rescue. Vous l'avez pas remarqué, c'est Rescue. Qui était en plus. Donc, il répond ok, ouais, je suis pas ok, parce que si vous voyez pas. Désolé, mais je crois pas que ça va le faire parce que sachant qu'on a pas beaucoup de vie, on n'est pas en super haut. On retrouve une île, mais pour l'instant on est pas très haut. On a une grosse passion si on va la voir tout de suite parce qu'on a vraiment pas beaucoup de vie. Donc, let's go. Gotaga, on va trouver du heal. Ça va bien. Je trouve tout sur du heal. Hop, du pain. Ce serait bien que je me fasse pas rush. Du heal. Je crois que je suis meilleur. Oh, ça fait plaisir par contre. Je crois que je suis meilleur lance-roquette que. Sniper. Donc je vais prendre leur circuit. Je sais que je suis un peu cancer mais pas le même choix. Ah, j'ai des mines de roquettes en plus. Donc, let's go. Ce serait bien mettre quelque chose en disposition. Bon, on prend pas. On va aller prendre l'avion qu'on devait tomber. Là on est mieux, là on est bien, on est bien stuff, on est bien ça. Le top 1 peut-être qu'on pourrait, ça serait envisageable, mais c'est ça. Donc on a la zone droite. Je sais que la zone droite, je savais la zone, mais je sais pas. C'est là que c'est ça que je m'en ai là-bas. On va aller se cacher parce que on n'est pas très bien. On les pose ici, hop. Ici, hop. On va juste construire ici. Bon, qu'est-ce que je disais déjà? Ouais. On va se cacher parce qu'on n'est pas très bien. Ouais, c'est ça. On va se cacher ici en attendant. On va pas fermer la porte parce que si quelqu'un qui arrive, on peut faire bang comme ça. Puis si, parce que si quelqu'un qui arrive, ben, si je ferme la porte, il faut que je l'ouvre, il va m'entendre. Tandis que si je laisse ouverte, ben, il saura peut-être pas qu'il y aurait quelqu'un ici. Fait que j'arrive ici, puis bang, c'est vrai. Ok,
Donc on va attendre sur le miroir, on peut se voir, est-ce qu'on est beau. Hop. On va arrêter de faire du bruit. C'est un peu inutile. On va attendre ici que quelqu'un vienne. Donc on a lance-roquette. Ça plus ça, c'est vraiment cheaté. Donc on va attendre. Je sais pas si on a remarqué, mais regardez où ça bouche. Il y a de l'air, il y a de l'air blanc que ça. C'est parce qu'on est dans le biodôme, dans le biodôme, dans la place où il y a de la neige. Donc le cerf commence à être petit. Petit. Donc on va attendre. Attendre ici. Donc on a des drops qui arrivent sur nous, je pense. Pas sûr, mais bon. On va attendre que la zone se finisse en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2. On va aller dans la zone. Si la zone. Ça serait bien que la zone soit ici. On va attendre ici. Oh, parfait ça. Ah, c'est parfait. 5 people, désolé si je me cache, mais en ce moment on veut plus faire top 1 que faire du kill. On a juste 4 kills, j'avoue que c'est pas super beaucoup 4 kills, mais bon. Oh! On a un sniper lance-roquette, c'est pas. C'est un lance-roquette. Ça se fight. Ça se fight. C'est ce qu'on peut dire, c'est que ça se fight. Là-bas. On va pas sortir une cachette parce que peut-être que quelqu'un se cache encore dans la même place que nous. Oh! Sniper encore. Donc il y a un fight. Il y a un fight. Probablement vers ici environ, il doit y avoir un fight, quelque chose comme ça. Ok, on va attendre que la zone se déplace. Élimination. Une notion de sniper, donc il y avait vraiment un sniper. Attention, la prochaine zone noire, ouais, je vais regarder. Mais là, on est dans la zone pour l'instant ici. Okay. Alors là, il y a des bières ici. Petites bières là, des petits jus, des petites barres de chocolat, du lait. Bon, ça, c'est une barre de chocolat, on dirait du lait ici. On va attendre ici. Hop, dans 1 minute, on va pouvoir voir. Ouais, mec, je suis alcoolique, regarde, j'ai bu plein de bières. Bon. On continue à attendre ici. Dans le fond, je vous explique pourquoi j'ai mis un mur là, ok? C'est parce que si quelqu'un qui arrive par là, il peut me laser ici sans que j'aille plus le voir. Il peut me laser à ma tête qui dépasse. Si je mets un mur là, il va être obligé de soit de péter, fait que je vais voir qui va être là, ou soit de contourner par ici. Puis là, bam! C'est un headshot qui vient de se prendre. Puis là aussi. Puis j'ai un bourlingueur après, fait que bonne chance. Donc on va attendre. Il reste juste 4 personnes. On est en top 4. Ce serait bien de faire un top 1. On va toujours attendre ici. On va attendre ici encore. On n'entend personne. Ça veut dire que les personnes. Ça veut dire qu'on est pas seul dans on est seul dans notre petite zone minuscule. Ouais, top. Bah. Toi, si on meurt, on va être top 4. C'est pas top 3 à cause de toi, c'est parce que je sais pas comment te l'expliquer. Bon, là, on va attendre, on va aller se déplacer. On va aller vers la prochaine zone. On va direct à la prochaine zone, ça va être bien. Puis, c'est ça. Oh, il y a quelqu'un là. Oh! Ah, c'est la mort fatale pour moi là. Un schlag de moins. En fait de la merde. Bijou marchand, ta gueule, tu as une tourelle, ça sert à rien. Karma laser, c'est pas un karma. Premièrement, c'est pas un karma.
Puis deuxièmement, c'est pas l'argent, c'est de ma faute, je suis mort. Le gars, par contre. Ah, ça fait chier. On a gagné 890 expériences. Bon, ben là, je vais laisser un peu. Fa! Le gars, il est pas bon en plus. Je sais pas comment je suis. Il a fait top 1, 7 kills. Bon, il joue à lui, mais moi j'ai mal joué. Allez, on s'en fait un. Faire plus de kills aussi parce que on n'a pas beaucoup de kills. On va se faire beaucoup de kills parce que là je pense que si on arrête sur le gauche, on aurait peut-être pu faire top 1. Donc let's go. Regardez comment tu fais dans la tête. 190 dans la tête. On va aller arrêter, on va faire un max de kill. Non, là, on va faire ça. Donc ça c'est ma dernière game. Comme ça je vais fermer le live. Parce que j'ai pas envie que ça parte en karma. Si on meurt dès le début, je vais fermer le live parce que j'ai pas envie que ça parte sur karma. On va aller probablement à 7 maisons. Si on se rend, on va là. Ouais. Si on se rend, on va se rendre là. Non, on va pas se rendre. Ouais, moi je dis qu'on va à la maison. Ouais, la maison qui est là. Non, pas elle. Elle. Pistole.
structure. On va les rush. J'espère qu'il y a d'autres personnes arrêtées, ce serait plutôt bien. Là, on prend nos shotgun. On va essayer d'aller rush le gars, ce qui ne va pas être une tâche très facile. On va aller prendre la tyrolienne qui est là-bas. On va prendre des pommes juste pour dire qu'on t'a sauvé. Hop. C'est fait exprès, j'ai pris le temps de viser juste pour vraiment mettre un perfect dans le tête là. Juste parce que le gars c'est un gros barbu avec un nouveau pompe en plus. Juste les gars, quand vous avez une nouvelle pompe, faites pas comme lui, c'est bon. De juste quand vous avez une nouvelle pompe, je vous demande une chose, faites pas comme lui, c'est bon. Non, y a pas de karma sur ça, c'est pas un karma. On a quelqu'un qui nous invite dans son party, on va pas répondre vu qu'on joue en solo donc. On va aller voir Chaco qui était là. Non, je suis tombé de la tyrolienne, c'est ce qui m'a tué. Ah, c'est moche. On va voir si le sac est tué. Non. On va voir. Mets le seul. On va regarder, voir si le sac est tué. On va voir. Il n'y a plus de balles, en tout cas il n'y a plus de balles derrière. Moi le gars il a pas l'air d'être le gars qui est sur la tyrolienne, il a pas l'air d'être très bon. Je sais pas pourquoi il prend pas de nouveau pompe le gars, mais on va voir la fight. Ok, prends-nous. Il va se faire la salle. Eh ben oui, ben oui.
Je sais pas, on va aller dans quel mode. On pourrait peut-être aller en mode créatif. Oula. On va aller en mode créatif. Je vais vous montrer un glitch. Sur le serveur. Je vais vous montrer un glitch qu'on peut faire dans le mode créatif. C'est-à-dire, je vais vous montrer. C'est un petit glitch. Bon, je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, c'est juste pour le fun. En tout cas, juste pour le fun. Donc, on va attendre que la game se charge. J'ai jamais joué au créatif. Ce que vous allez faire pour avoir pour aller sur le glitch en fond, vous allez faire apparaître. Donc là on est le bâton là. Ce que vous faites, c'est rendu là. Vous attendez d'être rendu comme ça. Vous faites réapparaître encore. Après, vous faites réapparaître encore. Après, au fait, retournons au menu créatif. Et malheureusement pour vous, les amis, le glitch a été patché. Je viens de m'en rendre compte. Donc, bah, en fait, on n'a plus de cellulaire. Oui, on a cellulaire. On va s'amuser un peu quand même dans le mode créatif. On a des petits on a des petits panneaux ici, on va aller voir ici. Armes. Plusieurs armes. On a toutes les armes ici. On a des objets à usage unique. On va créer des dalles de réapparition. On va utiliser ça. On va utiliser ça. Ça. Je peux par là. Ouais. On met des dalles de réapparition ici.
va essayer de faire un petit parcours bien sympatoche. Non, ça c'est juste une petite exploration de mes créatures. On va retourner en solo dans pas longtemps là. Juste pour voir comment ça se... comment que c'est. Si vous prenez ici. Je suis à peu près qu'est-ce que vous avez. Hop. Donc ici, vous avez gagné si vous prenez ici. Il faut vous rendre là. Tant que. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait. Voilà. Donc on va modifier ça. On essaie d'aller récupérer une petite. Hop. Et essayer de ne pas mourir. Rentrer par là puis on va essayer d'aller sur les dates des réapparitions. On va voir. Et que si vous mourrez, si vous atterrissez ici, vous allez vous prendre des pièges. Donc vous ne pouvez pas atterrir ici.
est très très low HP. Ouais, on est vraiment très low HP. On va retourner au début. Donc les gars, je ne sais que c'est pas, je ne sais pas. Donc on va essayer de faire le parcours encore une fois, c'est ouais. Donc on va essayer de se poster une truc et qui a du go par ici. Je suis mort. Donc c'était juste ça pour vous montrer un mode, on va retourner en menu 4F. Puis on va retourner à Battle Royale pour faire une game. Le soir, foire d'empoigne ou solo. Donc on va aller en bah je crois que ça pourrait être tout pour ce live. Je sais pas si ça vous ira plus. On va aller de bord en solo. Solo peut-être. Ok, on va faire une game de solo. Donc on va y 53, ouais. On va faire une game de solo. Puis après ça, je vais faire mes lives. Donc, enfin, une game solo. Ça me parle bien. Celle-là, peut-être qu'on va se lâcher la petite pioche. La petite pioche de glace, peut-être qu'on va se l'acheter. Je sais pas. Quand même très stylé. Le bruit très stylé. Quand on pioche, elle laisse une espèce de traînée de glace derrière elle. Sachant que c'est quand même une pioche de rareté hiver. Donc, ben, rareté commune. C'est pas quand même bien. On va aller à Fatal Field pour faire un max de kill. Tantôt. Donc, on a vraiment passé proche du top 1 tantôt. C'est vraiment triste qu'on l'a pas fait. Mais voilà. On a quand même fait des belles games. Honnêtement. Moi je vous avais montré un peu créatif, c'est juste ça. On va essayer de faire du 160. Ici on a du 80. On a du 65 pas okay. On va la faire top 1, on va essayer de faire un max de kill. Puis ici on fait top 1, bah écoutez, on va faire top 1. Hein. Bon, on va par-dessus tout. En ce moment je veux pas faire top 1. Je vous explique, moi je veux faire un max de kill. Donc je veux faire beaucoup de kills, je veux rush, je veux faire. Et puis de toute manière, si je voudrais faire top 1, l'écran est beaucoup plus rapetissé. Parce que je peux voir vos commentaires, j'ai décidé que je peux voir vos commentaires, mais que l'écran soit rapetissé. Donc, c'est ça. Donc, il y aura quand même du monde à Fatal. Il y a du monde à Lucky Landing, c'est quand même surprenant. Trois personnes, il y a quand même beaucoup de personnes à Fatal Field. Je pense qu'on va aller à Fatal Field. Avec Lucky, Fatal. Et puis, on va se faire avec Lucky parce qu'on n'a pas d'armes, puis lui a une arme, puis on a shotgun, puis nous autres, on n'a pas shotgun. Ouais, on va aller ici. Non, on va danser pas. Bon, on va refaire notre game. On n'a pas d'armes, pas rien, c'est sûr qu'on peut pas. Donc, pas d'armes, c'est sûr qu'on peut pas rien faire. Donc, on va essayer encore notre game. On va se mettre skin tryer. On va mettre lui, ouais, lui, comme si. Ça avec ouais, avec celle-là, avec celle-là, badass comme pioche. On va mettre. Oh, j'aurais voulu mettre la fille, la Lynx. Ça a été un bon skin tryhard ça. La Lynx, hein. Lynx à sa deuxième phase, je pense que c'est ma préférée. Quand il est sa deuxième phase, ça fait vraiment tryhard. Je trouve que c'est parfait. Voilà. Donc, voilà, voilà. On va se faire un bon top, on va essayer de faire bokeh, les bokeh, donc on va essayer de faire un top. On va aller à Tilted pour
faire un maxi kill. Ça serait pas super bon. Je sais pas si on va à Delta, on va-tu. On va. Ah bon, on va à Frostfall. On va à Frostfall. Frostfall, ça me paraît prometteur. C'est un peu le bordel ici. On va aller Frostfall vu qu'il y aura du monde. C'est proche. Il y a des avions, il y a tout ce qu'il faut, il y a du bon stuff. En même temps, je vais pouvoir vous montrer si je peux. L'étoile de combat cachée de la semaine 2. Le bannière, parce que c'est une bannière, c'est pas une étoile de combat cachée. C'est une bannière, je vais pouvoir peut-être vous montrer où est-ce qu'elle est. C'est une bannière secrète, bah, cachée secrète. Il y a vraiment dur à trouver celle-là, parce que je l'ai même pas trouvé, je suis allé sur YouTube. Je vais vous dire c'est qui que je suis allé voir. C'est Giveaway. Giveaway, quelque chose comme ça. Les autres vous donnent l'info par rapport à ça. On va se prendre un shotgun. Donc la bannière secrète est ici. Ouh. Mais c'est un peu bizarre par contre parce que j'ai mis un 88 plus un 33 dans la tête, dans le corps, c'est bizarre ça. Mais c'est impossible, j'ai mis un 88 dans la tête. Ouais, c'est vraiment bizarre, mais de toute façon, c'est vraiment bizarre, c'est louche son truc. Très louche. Alors moi, j'ai mis un 58 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est bizarre. Mais c'est bizarre. Bizarre. Mais je vais mettre un skin trailer. Je vais mettre mon skin trailer. Non, on va pas la mettre dans cette phase. On va la mettre dans cette phase. C'est où l'écran? Ouais, l'écran du bureau. C'est exactement là. Qu'il l'a. Donc, c'est ça. Cette place-là était vraiment dure à trouver. Elle était bien zoomée, toute. Ça, les personnes qui sont allées beaucoup au Frost Flight, qui ont toutes lutte, vous pouvez savoir, mais moi, je savais même pas. L'étoile qu'on va cacher de la première semaine, c'était très facile. Honnêtement, très, très facile. On va encore à la Frostfight, on va prendre notre revanche cette fois-ci. Donc elle se situe dans ce bâtiment, toi, la bannière cachée. Et c'est juste ici. Je vais essayer d'aller vous le montrer, mais ça me fait tuer cette fois. J'ai pris mon bon skin, vous allez le refaire. Ouais. J'ai con skin, ouais, c'est ça. Donc je sais pas si vous le saviez, mais... ouais, c'est ça. C'était pas une étoile de combat, je répète encore, parce que... Il y a des gros attaques qui vont dire « Oui, mais c'est pas une tente de combat, c'est quoi le bordel ?» Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je le répète. Mais what the fuck, man? Y'a trop de monde, gros. Vraiment trop de monde. Désolé, je fais un peu de la merde comme game, donc je vais fermer live. Donc je pense que je vais fermer live en fait. Attends, on charge pas, je charge pas, je charge pas. Donc c'était chou guerrier pour une. Bonne vidéo, donc je suis comme une bonne vidéo, pas tant pire que ça, donc c'est juste la gueule pour une belle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like si ça vous plaît, si ça vous a plu, et partagez la vidéo aussi, ouais, abonnez, j'ai déjà dit, donc c'était juste la gueule pour une nouvelle vidéo.